Dernière étape de cette bombée Budapest-Favez en 2012. Étape Genève-Favez par la route du Mandement, chemin du paradis à Saint-Denis. Le Rhône à la plaine, la douane à Chancy, et puis par une petite route bien calme à 7 heures, mais pas toujours, hein. Le bureau fiscal a perdu son nom. Le Parmelin, vue de Savigny et la Haute-Savoie champêtre. Nous passons par de jolis petits hameaux, encore typiques. De vieilles maisons n'ont pas été encore rénovées par les Suisses et les frontaliers. La banne de Sillingy et la Mandalaz. Quelques astuces du Bitlou permettent d'éviter la grand-route. Nous sommes dans la zone industrielle, dans la zone commerciale des Pagny, d'où nous sortons par la caserne des pompiers, ici, et le passage piste cyclable sous la rocade, absolument pas indiqué, malgré les recommandations et les allégations du Bitlou auprès de ses pairs, n'est-ce pas, messieurs? Reconnaîtrez Gillon. Nous arrivons le long de la rocade, la 1508, qui permet de rejoindre Annecy. Encore une route non indiquée. Le fier et les bornes dans le fond. On n'est pas peu fier de retrouver nos rivières. Annecy, la Kitsch. Que de monde à Annecy en ce mois d'août 2012. C'est vrai que c'est assez joli, un tantinet kitsch comme ça. Mais ne boudons pas notre plaisir. Et nous empruntons plutôt, la piste dite cyclable. En avant toute, casque à boulon vissé sur la tête, mains sous les cocottes. Il faut être absolument vigilant et ne pas faire le fou. Surtout qu'ici, la piste n'est même pas dans les normes. Elle ne fait pas 3 mètres, elle fait 2 mètres. Mais le lac est beau, ça, le Caraïbe. Ça se calme un peu ici, un peu moins de monde. Quand même pas trop craché dans la soupe. La joie des enfants et des familles. Arrivé à la Mare au Diable, à Saint-Joriot. Une dernière vue sur la tournette. Quelques jolies mamazelles se dandinent tranquillement. Il n'y a pas à dire, hein, le roller c'est quand même un sport qui muscle les fessiers, mesdames. Alors profitez-en. Ici, le big jump à mon ami Polo Couty à Saint-Joriot. Et nous nous dirigeons vers le tunnel de Douin. Attention, nous allons rentrer dans le tunnel. Allumez vos feux. Ouh, crient les enfants en général là. Sortie du tunnel. Nous arrivons à Rodanaz, où une zone intéressante de repos a été installée. Merci, ici là, les Vosges, le charbon, le lac. Gier, la gare dite de Gier, et puis la Favergie enfin, après 2000 km, le rock de vue, notre fameuse dent de Conce, le Crêt de Chamblon, Faverges. Le Monte Bianco vu de Favez, eh oui. Il y a encore de la neige, pas pour longtemps. Et nous arrivons à la Casa del Sol. La pelouse a un peu poussé, mais la casa est toujours là.